La Martinique dans l'assiette, avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Belle bonjour mes amis. Aujourd'hui, je reçois une invitée de marque. Aïe, avec qui on va cuisiner. Voilà. D'accord. La recette du jour, c'est le poulet caramélisé au gingembre et au sésame. Et pour réaliser cette recette, j'utilise le sucre parfumé réalisé par Lisa. Pour réaliser cette recette, il vous faut les ingrédients suivants. Du blanc de poulet, du sésame, bicarbonate, ça c'est mon petit secret. On a 4 épices, paprika, le petit piment de cayenne en poudre. On a également de l'ail en poudre grillé, un petit chouïa de gingembre en plus, jus de citron vert, de l'huile de tournesol, de la sauce soja et le fameux sucre gingembre. Je trouve que le tablier te sied bien. J'étais pas venue pour ça, mais enfin. Du coup, je te donne un petit répit, c'est moi qui vais couper le poulet. Je t'en prie, vas-y, Bouisca. L'idée, c'est vraiment de le détailler en assez gros cubes. Ça te dit de faire l'assaisonnement? Ça dépend, pourquoi pas. Bon, on y va. Un petit peu de 4 épices, je te laisse faire. Ok. Ici, c'est le fameux jus de citron. Yeah. On met l'ail. Paprika. Ah, voilà. Tu peux tout mettre. On met un petit chouïa de gingembre. Tu aimes ça? Je voulais mettre plus. Non, ça ira, je suis déjà... Tu es naturellement riche en gingembre, d'accord. Et là, mon astuce, c'est le bicarbonate. Alors, pourquoi bicarbonate? Tout simplement parce que ça va permettre à la viande, en fait, de rester moelleuse et souple. La sauce soja, une cuillère à soupe à peu près. Il va juste nous manquer le petit piment de cayenne. Et puis là, je mélange tout simplement. Donc, on va faire sauter le poulet, mais avant ça, je m'occupe de griller le sésame. D'accord, ok. Pas de matière grasse. On fait sauter à sec. Et maintenant, on nous fait sauter le poulet. Donc, de l'huile de tournesol. Ok. Et le fameux sucre au gingembre. On sera sûr, même pas une petite dizaine de minutes. Hein. Dès que c'est coloré, c'est prêt. Tiens, Fiska. J'étais vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Régis. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec toi. Je repars avec une superbe recette facile, efficace, rapide. Bon, à notre dégustation. Merci nous et à cette belle amitié. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. À très vite. Trouvez toutes nos recettes sur carrefour-martinique.com. Avec Carrefour, je choisis la Martinique.